願い叶って。もし一枚だけ君からもらえるそのバブルガム。気づかないうちに。Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu particulière. Comme vous pouvez le voir, j'ai un bullet journal devant moi parce qu'en fait, on va faire mon bullet journal Animal Crossing. Alors voilà pourquoi c'est une vidéo un petit peu particulière. En ce moment, j'arrête pas de dire ça, mais en vrai, il y a plein de nouveautés qui arrivent sur la chaîne. J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. Et puis, ben, c'est parti! Donc, j'ai commencé à découper des petites choses. Donc ça, c'est mon île, comme vous pouvez le voir. La carte de mon île. Et on va pouvoir commencer à faire mon bullet journal. J'espère que le concept vous plaît. Si c'est le cas, eh ben, on explose la barre des pouces bleus et des abonnements. Et on pourra le continuer ensemble. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller ça. Franchement, moi, ça, j'avais trop hâte de faire cette vidéo parce que j'adore faire des trucs créatifs. Et quand j'ai fait ma nouvelle île, j'avais trop envie de faire ça. J'ai vu pas mal de youtubeurs le faire et ça m'a donné vraiment l'envie de faire mon propre bullet journal. Et je me suis dit, allez, let's go. Franchement, c'est un super concept. Deux vidéos, pourquoi pas faire mon petit bullet journal à moi. Avec des images de mon île, etc. Et ça peut vous donner aussi à vous, à la maison, des petites idées. Ah ! Ça a trop collé. Hop ! Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai pas pu mettre mieux au niveau de ma cam. J'espère que vous voyez suffisamment. Oui, si, ça va. On voit bien quand même. J'ai acheté, regardez, des petits accessoires. Donc ça, je les trouve à Carrefour. Les petits rubans là. Et je les trouve, mais trop mignons. Regardez-moi ça. Pour mon... Bah, du coup, ça ira bien avec le thème jungle de mon île. C'est trop joli. Je pense que je vais mettre celui-là. Il brille. Il est trop beau. Ça a coûté 99 centimes. Chez Carrefour, du coup. Je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure aussi les petites choses que j'ai achetées. Comme ça aussi, ça vous donne des petites idées pour vous aussi acheter vos propres petites choses pour faire votre petit bullet journal. Oh, c'est beau, regardez-moi ça. C'est trop beau. Quand je l'ai vu, oh, je l'ai trouvé trop beau. Ça, on va le mettre comme ça. Un petit peu comme ça. Et en fait... Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les côtés tout simplement. Voilà. Pour l'instant, je trouve ça trop joli. J'ai jamais fait hein, ce type de choses. Donc, j'espère qu'il y aura un joli petit résultat. Hop ! Bon, on va mettre deux en bas aussi. Et je trouvais ça vraiment sympa de proposer ce type de vidéo. Je trouve que ça change. De toute façon, je vous ai dit hein, sur ma chaîne, vraiment, j'ai envie de faire pas mal de choses. Donc là, maintenant, ce qu'on va mettre, on va écrire. Donc là, j'ai pris plein de petits crayons, vous voyez, comme ça. Des comme ça. Des comme ça. Pour écrire. Et ça, pareil, je l'ai trouvé... à Carrefour aussi, je crois. Donc là, on va marquer. J'essaye de mettre un peu plus à l'aise. J'ai mis un petit autocollant. Vous voyez, je me suis acheté un petit stock d'autocollants. J'ai payé 5 euros sur Amazon. En vrai, ils sont pas très quali, mais bon, ça fera l'affaire, quoi. J'ai pas l'habitude d'acheter ce genre d'autocollants. Je préfère plutôt acheter chez des créateurs, en fait, comme Bynody, etc. Mais... j'avais envie de tenter, mais c'est vrai qu'ils sont pas très quali, quoi. Donc là, on va marquer ma carte. J'essaye de faire des jolies lettres. Voilà ma carte.
Ensuite, en bas, on va laisser un petit espace. Et puis en bas, j'ai bien envie de mettre. Je vais mettre, je pense, du coup, le nom. De mon île, le fruit de mon île, le thème de mon île. Le code onirique, parce que du coup ça sera de toute façon toujours le même de mon île, vu que je rase, je reset pas. Donc là on va laisser un peu plus d'espace parce que du coup je l'écrirai en dessous. Qu'est-ce que je pourrais marquer d'autre? Là je peux mettre l'hémisphère de mon île. L'hémisphère de mon île. Bah là, on est sur mon île hémisphère nord. Et puis du coup, après ici, eh ben, je répondrai à mes petites questions, etc. Qu'est-ce que je pourrais marquer d'autre? On est déjà pas mal en vrai là. Je réfléchis, mais je vois pas trop ce que je pourrais mettre d'autre. Je trouve que c'est déjà pas mal. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits traits comme ça. Et en fait, j'écrirai dessus quoi. Je vais essayer de trouver un autre fluo comme ça. J'en ai d'autres normalement, mais je les ai pas trouvés. Mais du coup, je ferai des lignes avec. Du coup, voilà pour ça. Là, j'ai mis un petit autocollant. Peut-être mettre d'autres petits autocollants, non? Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Céleste, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a Marie aussi, elle est mignonne, Marie. On va peut-être mettre Marie, non? Allez, on va mettre Marie. J'ai trop hâte de voir le résultat. Donc, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va être vraiment sympa. Moi, j'adore tout ce qui est de toute façon créatif. Eh, mais il me fait galérer cet autocollant-là. Tu vas te décoller, oui? Ah, c'est bon. J'ai failli rager. Je me suis dit, il va jamais se décoller. Regardez. Hop, c'est mignon, non? Je trouve ça super mignon. Donc après, je mettrai des petits cœurs, des petits trucs comme ça pour habiller. On peut même en mettre un ici. Hop. On va en mettre un d'une autre couleur. Et comme ça, vous aussi, vous pourrez faire votre petit bullet journal. Je trouve ça super mignon comme, comme petite chose à faire. Je trouve ça sympa. Donc là, on a fait ça. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être l'encadrer, non? On peut peut-être faire un petit encadré. Quelle couleur je vais prendre? Du bleu, peut-être. On va faire un encadré ici. Je pense que ça va être très sympa. En tout cas, déjà, le rendu, là, pour l'instant, il me plaît bien. Marche pas super bien celui-là, hein. Ça m'embête un peu parce que je veux vraiment que des crayons qui marchent bien, hein. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai fait l'encadré du coup plutôt en fluo. Je trouvais que c'était plus joli comme ça. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je pense que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petits autocollants. Et vous voyez ce que j'ai pris? Regardez-moi ça, c'est trop mignon. J'ai trouvé ça à Action. J'ai payé quoi? 1 euro. Regardez, il y a plein de petits autocollants. Trop, trop cute. Et je pense qu'on va mettre ça. Il y en a certains. Attendez, hop, verra mieux comme ça. Du coup, là, je vais choisir des petits autocollants du coup à mettre. Je vais pas prendre forcément les Hello Kitty, mais je vais peut-être prendre genre les pommes, les petits cœurs, les petites fleurs. Je trouve que ça rendra bien en fait. Vous voyez, ils sont beaux, hein.
Bon, du coup, hop, on va prendre quelques-uns et on va attaquer. Du coup, j'ai pris des petits cœurs. En vrai, je pense que je vais mettre plutôt des petits cœurs ici. Attends, celui-là, on peut même le baisser peut-être un peu comme ça. C'est mignon. Oh, j'aime trop. Franchement, je suis contente pour l'instant. Je trouve ça beau ce que j'ai fait. Je peux en mettre un ici. Et je peux mettre peut-être un petit nuage. Oh, c'est trop mignon. Je vous montre. De toute façon, à la fin, je vous montrerai vraiment bien. Waouh. Pour l'instant, franchement, ça rend bien. Petit nuage. Petite fleur. Pour l'instant, franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence à prendre forme, hein. Ça commence à être vraiment très très beau. Trop trop mignon. Regardez le petit soleil là, comment il est trop mims. On va le mettre là. J'ai pris aussi encore un petit cœur que je peux mettre. En vrai, là, je commence plus à avoir beaucoup de place. Je vais peut-être le mettre là, tiens. Hop. Regardez. C'est trop joli. Franchement, je suis très contente. Et regardez, j'ai même trouvé un petit stickers mémo. Hop, on va mettre là. Et là, j'avais envie de rajouter un petit ruban. Du coup, je pense que je vais rajouter juste un petit ruban. Regardez celui-là. Je le trouve trop beau. Et on va rajouter ça. Regardez comment il est beau. J'aime trop. 99 centimes, franchement, ça va quoi. Hein. J'ai envie de le mettre là. Regardez. Et je vais en mettre aussi un petit bout. Je vois où. Oh là là, ça va être vraiment canon. Et du coup, bah, si ça vous plaît, ce type de vidéo, bah, on pourra continuer mon petit bullet journal ensemble. On pourra faire d'autres petites vidéos comme ça. Moi, franchement, ça me plairait bien de continuer avec vous à faire ça. Mais bon, du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de ce que vous pensez de ça. Du coup, voilà. Sur l'autre page, moi j'ai bien envie quand même de mettre Mélie et Mélo. Du coup, on va mettre Mélie et Mélo. Ah bah celui-là, il s'est bien décollé tout de suite. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que l'autre, tout à l'heure, j'ai un peu galéré. On va les mettre comme ça. Regardez-moi ça. Pour l'instant, ça va. Du coup, sur cette page-là, je vais marquer ici. Animal Crossing quand même. On va essayer de faire une écriture jolie. Parce que du coup, c'est ça qui va rendre beau en fait mon... Mon petit bullet journal. Un petit cœur là. Regardez ça, si c'est mignon. Et là, on va marquer. J'avais pensé marquer du coup mes habitants. Alors, je vais essayer de trouver une couleur sympathique dans mes crayons. Ben, peut-être du bleu. Et là, on va marquer mes habitants. On va marquer là ici. Pour l'instant, franchement, c'est beau, hein? Marche pas très bien ce crayon là. Et là, ça m'énerve. Parce qu'il marche pas de ouf. Ah, j'en ai un autre, attendez. Peut-être que celui-là. Voilà. En plus, ils sont tout neufs, je les ai jamais utilisés, donc c'est abusé quoi. Mais. Habitants. Et là, on va marquer leur nom. Voilà, c'est trop mignon. Pour l'instant, en tout cas, moi, je suis très contente de ce que j'ai fait. Du coup, on va faire des petites flèches. N'hésitez pas à faire chez vous, hein. Franchement, c'est trop sympa à faire. On
va en mettre là. Hop. On va en mettre là. Moi, je laisse un petit espace entre les deux. Je trouve ça sympa. On va mettre comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et du coup, en mauve, je vais écrire mes petits habitants. En tout cas, pour l'instant, ce que j'ai. Donc, j'ai Nadine. J'ai Christine. Trop mignon. Mathéo. Néferti. Qui, je pense, ne restera pas. Rosie. Pauline. Didi. Que de beaux habitants en vrai. Hein. Laura. Ah là, ça va être compliqué là. J'avais pas vu. Bah du coup, on va marquer ici. Chino. Et pour finir, Terra. Trop joli. Pour l'instant, franchement, c'est beau ou pas? Ce que je peux faire, c'est marquer des petits plus à côté des habitants que j'adore. Bon, en fait, je les aime tous, mais il y en a quand même que je préfère, comme Didi, Laura, Chino. Bon, en vrai, je les aime quasi tous. Peut-être Rosie et Pauline que j'aime un peu moins. Mais franchement, sinon, je les aime tous. Et en bas, je pense qu'on va marquer une petite case note, tout simplement. Alors, on va décaler peut-être et le mettre vraiment, peut-être plus bas en fait. Peut-être ici, genre. Alors, attendez. Déjà, ici, j'ai envie de faire un espèce de petit truc. Petit dessin, voilà, sympatoche. Et ici, on va marquer note. Voilà, si j'ai envie de noter des petites choses après, ben, je peux le noter en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Regardez, c'est mignon, non? Waouh, pour l'instant, ça claque, hein? Je suis très contente pour l'instant. Du coup, je n'ai pas terminé parce que en dessous Animal Crossing, j'avais envie de coller un petit ruban. Un petit ruban des familles. Hop, on va coller ça tout de suite. Ah, il est un petit peu gros. J'avais peut-être pas prévu assez de. Oh, c'est pas grave, regardez. On va le couper un tout petit chouille. Hop. Et je pense que là, ça passe. Peut-être que ce côté-là, il est un peu plus fin en fait. On va mettre ça comme ça. Waouh, c'est beau! C'est super beau! Du coup, je peux peut-être en mettre un autre en vrai. Je me dis, est-ce que je ne mettrais pas un petit ruban? Non, ça fera peut-être un peu trop. Non, là, j'abuse un peu au niveau des rubans. Hein. Peut-être mettre. Je vérifie ce que j'ai au niveau de mes petits stickers. Mais c'est vrai que là, ils sont assez gros en fait, les stickers que j'ai. Ah, si, quoique. Je pourrais mettre un ici. Mais ça risque de faire un peu chargé, non? Ouais, non, ça va peut-être faire un petit peu chargé. Il faut que je trouve un autre style de stickers, en fait, je pense. Ouais, il faut que je trouve un autre stickers. Regardez ce que j'ai trouvé en petit stickers. Je trouve que ça fait très Animal Crossing, en vrai. Il s'est un petit peu abîmé, mais regardez. C'est trop mignon, non? Et regardez. Des petites enveloppes. Je pense que je vais en mettre quelques-unes. Regardez, hop, pour en mettre là. Peut-être là faire des petits nuages, des petites choses comme ça. Je vais faire avec ce crayon-là. Je suis vraiment trop trop contente vraiment de ce que j'ai fait. Je vais essayer de trouver d'autres petits stickers.
En tout cas, voilà ce que ça donne pour le moment. Moi, je suis assez contente. Un petit cœur là. Hop. Je trouve ça joli. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire. Vous avez vu, finalement, j'ai mis d'autres choses ici. Parce que finalement, ça ne me plaisait pas trop ce que j'avais fait tout à l'heure. Je pense que là, au niveau de notes, je vais juste souligner en fait le note que j'avais écrit. Hop. Avec un crayon qui marche, ça sera mieux. Voilà. Et après, voilà, sur les côtés, peut-être que je vais faire des petites bordures. Est-ce que j'ai un crayon qui serait pas mal pour ça? Ben, peut-être celui-là, en vrai. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires, hein, si vous avez vraiment kiffé ce type de petit concept. J'ai plein d'idées de concepts. Franchement, je pense que là, j'ai trop hâte de vous les faire découvrir parce que là, il y a pas mal de petites choses qui vont arriver sur la chaîne et j'ai trop d'idées. En tout cas, voilà ce que ça donne pour le moment. Regardez-moi ça. C'est pas mal, non? Ici, je trouve que c'est un petit peu vide en bas. Peut-être écrire quelque chose, par exemple, Lolotte. Crossing. Voilà. Et on va peut-être mettre un petit autocollant ou quelque chose comme ça. Ben là, je pense que je vais peut-être mettre Céleste. On va peut-être mettre Céleste, en fait, ici. Ouais, mais ça risque de m'embêter. À moins que j'écrive en dessous, en vrai. Est-ce que je peux pas mettre ça? Ah ouais, mais elle va... Le problème, c'est que ça va me gêner pour écrire ici. Ah! Oh non, je voulais trop la mettre en plus. Il faut que je vois si j'ai pas un autre autocollant qui soit un petit peu plus... Ah zut! Bah déjà, peut-être écrire. Et puis comme ça, on verra. Donc par exemple, le nom de mon île, eh ben, c'est Choco. Le fruit de mon île, ben, c'était orange sur cette île-ci. Le thème de mon île, c'est Jungle. Féerique. Le code onirique, ben ça je vais le marquer après. Et l'hémisphère de mon île, et ben c'est l'hémisphère nord. Et puis là, je vais marquer juste le code onirique. Du coup, on va marquer le dream code. Du coup, c'est le DA 22 57 14 22 92 05. Donc pour l'instant, c'est Felicity, du coup. Pas Felicity, mon île, du coup, universitaire américain. Mais quand ça va être terminé, ben du coup, ça va passer sur ce thème d'île-là. Donc ça va être plutôt cool. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Et moi, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je le répète, mais je suis très contente. Et là, je viens d'avoir une petite idée. En fait, pour le bas, je ne sais pas ce que ça va donner. Ah ! Le ruban là, il se coupe pas très bien en fait. Tout à l'heure, si, les autres, si, mais celui-ci, pas terrible celui-ci. Ah là, c'est mieux. Du coup, hop, on va mettre un petit... Enfin, une petite bande, je pense. Une petite bande en bas. J'ai juste envie de voir ce que ça donne. On teste juste, hein. Et puis si j'aime pas, ben de toute façon j'enlève et puis voilà. C'est pas un souci de toute façon avec ce type de... Ah si, en vrai ça le fait, hein. Regardez. En vrai ça le fait. Je pense que je vais rajouter après des petites choses. En fait j'avais acheté un petit lot de stickers aussi en magasin. Et le problème c'est que je ne l'ai pas retrouvé. Donc je ne sais pas où il est passé. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'en reprendre. Et j'en remettrai un petit peu par-ci, par-là. Et je vous montrerai de toute façon le résultat final avec les petits stickers du coup que j'aurai rajoutés.
Je vais essayer de les trouver, sinon j'irai m'en acheter d'autres. Voilà en tout cas ce que ça fait pour les premières pages. Qu'en pensez-vous? J'espère que vous aimez parce que moi, j'adore, je valide à 1000%. Je suis trop trop contente de ce que j'ai fait. Du coup, ce que je ferai, c'est que j'irai acheter ces petits stickers, je les rajouterai et je vous rajouterai une petite bande vidéo à la fin pour vous montrer en fait vraiment le résultat vraiment final de chez Final. Et puis de toute façon, je pense que je le mettrai aussi peut-être en, comment ça s'appelle, en miniature. Je sais pas si je mettrai l'intérieur de mon carnet en miniature ou si je mettrai juste ça pour vous laisser un petit peu le suspense. Peut-être que je mettrai quand même que ça pour laisser le suspense. On verra bien. En tout cas, voilà ce que ça donne. J'ai retrouvé, du coup c'est bon, j'ai retrouvé en fait les petits stickers. Et c'est ceux-là que je vous parlais. Ils sont trop trop cute. Du coup, je pense qu'on va en mettre quelques-uns. Et puis voilà, le petit bullet journal est terminé. Voilà, du coup, je pense qu'on va mettre des petits papillons. Par exemple, ici. Ah, ça fait trop beau. Franchement, j'aime trop. Je pense qu'on va en mettre un aussi là. Parce qu'en fait, je trouvais que ça faisait un peu vide. Vous voyez, sur le bas. Au niveau du bas, je vais peut-être en mettre aussi. En vrai, ils sont trop beaux, ces petits stickers. J'ai trouvé ça à Carrefour aussi. En vrai, à Carrefour, ils ont des trucs sympas, hein. Regardez. Franchement, c'est trop mignon. C'est trop, trop mignon. Je mettrais bien aussi peut-être une petite coccinelle, non? Ici. Et puis, ben, je pense qu'on est déjà plus que pas mal, hein. Après, ça risque de faire peut-être un peu beaucoup chargé. Ici, peut-être mettre une petite fleur, vous voyez. Hop. Voilà ce que ça donne avec les petits stickers rajoutés. Je trouve ça trop joli. En vrai, je suis trop fan. Si vous aimez hein, ce concept de vidéo, vous n'hésitez surtout pas à me le dire. Parce que je pourrais en refaire. En vrai, on pourrait faire complètement une page ben, par semaine, admettons. Et puis, je trouve que ça serait vraiment pas mal. Voilà le résultat. Trop canon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça mais trop, trop beau. Donc, si vous aimez le concept, on n'hésite pas à me le dire. Et du coup, peut-être prévoir une vidéo par semaine. On avancera ensemble, du coup, mon petit bullet journal. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît le concept de vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, liker, commenter, partager les petits cocos. Allez, ciao! もし1枚だけ君からもらえるそのバブル